Les installations militaires suivantes sont hors service. Barstow, Fort Drum, Fort Mason, McClellan, Nellis, Norfolk, New London et Wright-Patterson. La destruction est confirmée avec un taux de perte de 90 à 100%. Il y a des moyens plus simples pour arrêter de fumer. Je suis venu vous demander votre aide. On a plusieurs problèmes qui réclament un agent senior, mais avec Da Silva sur le terrain, moi cloué à un bureau et Nils. Bon, vous êtes le seul à qui je puisse confier ça. Allez aux Ops et affichez la carte. Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment. Ravi de vous aider. Oui, je sais, mais... Oui, je suis certaine que... Écoutez, je vais envoyer le prochain agent disponible. C'est tout ce que je peux faire. On dirait que vous en avez bavé dehors, Carter. Je peux faire quelque chose pour vous? Dites-moi que vous avez des réponses, Crete. J'ai beaucoup de questions, quelques hypothèses, mais aucune réponse, Carter. N'importe quoi ferait l'affaire. D'après vous, quel est le but de leur attaque? On espère que l'infiltré capturé pourra nous éclairer là-dessus. Mais pour l'instant, on sait deux choses. Ils nous étudiaient avant d'attaquer, donc ils voulaient obtenir quelque chose de nous. Nourriture, carburant, esclaves, que sais-je. Et la deuxième chose? Ils construisent des bâtiments, alors ils ne comptent sûrement pas partir avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent. Et si jamais ils voulaient toute la planète? Alors on sait au moins qu'ils ne détruiront pas la Terre si nous échouons, pas vrai? Vous avez découvert quelque chose sur ce que mijotent les Xénons? Ce n'est pas un raid interplanétaire de Vikings venu de Mars. Ils construisent des structures permanentes. Quel qu'ait été leur motif d'attaquer, ils comptent rester. C'est avec ces germes qu'ils font ça? C'est exact. Et ces choses peuvent grandir, en plus. On nous a signalé des tours hautes de 10, 20 étages. Plus on grimpe, plus on tombe de haut. Bien sûr, mais seulement si on trouve un moyen de les abattre. Qu'est-ce qu'on sait sur les hypnotisés? Selon les médecins, ils sont dans une sorte de coma, même s'ils se déplacent. Et ils ne sont absolument pas conscients de ce qui les entoure. Comment va notre cher infiltré? Au début, il hurlait au meurtre, mais les chercheurs lui ont tiré un machin de la tête, et maintenant, il est doux comme un agneau. Je croyais qu'on ne faisait ça que dans les asiles. Non, non, ils lui ont retiré une espèce d'appareil qui le contrôlait. Ou, si ça ne le contrôlait pas, ça transmettait des choses. Si vous avez une illumination, dites-le nous. D'accord, Carter. Le compte-rendu de Géorgie était assez sinistre. Au moins, vous avez pu ramener quelques survivants. C'est moche dehors. On a sauvé ce qu'on a pu, mais pour la plupart, c'était trop tard. Vous voulez parler des hypnotisés? Les savants ne savent pas d'où ça vient, ni comment soigner ça. Au moins, avec les Xénons, on peut tirer ou crever en se battant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cette maladie? Il est possible qu'on ne puisse rien faire, du moins tant que les médecins n'en sauront pas plus.
Comment pouvez-vous rester aussi calme en sachant qu'on est impuissant? J'ai largement de quoi m'occuper. Je traque une cible cruciale de mon côté. Des infos sur le commandant Xenon? Cette invasion doit bien avoir un chef, non? Vous voulez parler d'Axis? Oui et non. Mais mieux vaut garder ça entre nous. C'est compliqué. Et ça, c'est sibyllin. Quelqu'un pourrait écouter. Et je suis cette affaire depuis trop longtemps pour risquer de tout foirer. Est-ce que Faulk devient trop parano? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Que Faulk écoute ou non en ce moment. On a déjà mis la main sur un infiltré. Vous pensez qu'il y en a d'autres? Heinrich dit qu'il met au point un test, mais nous tenons déjà le monstre qui a tenté de nous faire sauter. Selon moi, il suffit d'extraire de lui les informations. C'est peut-être pour ça qu'on ne vous laisse pas l'interroger. Vous connaissiez moins bien ces victimes que nous. Ils se promenaient dans la base, observant depuis qui sait combien de temps. Vous souhaiteriez sa mort, vous aussi. Je vais obtenir des réponses. Bonne chance. Faulk dit que nos technologies ne suffiront pas. Qu'il va falloir utiliser les leurs contre eux. Bon, récapitulons. Un code de lancement nucléaire a été envoyé à une installation secrète située ici. Mais l'engin n'est jamais parti. Heureusement. Et on est là pour découvrir ce qu'a déconné. Ou ce qui a bien marché, au contraire. Le moyen de retrouver ces petits. Thank you.
nous voit pas. Est-ce qu'il faut les prendre à revers? Revers? C'est pas mon genre. Abritez-vous. Je suis en route. Je suis en route. En position. Engagé. Carter, attention. Ils envoient les renforts. Ils arrivent des deux côtés. Attention, on en approche. Mon Dieu, des boucliers. Le drone, il les soigne. Leur ligne tient bon. La bordel de mort. À terre. Reçu, je me mets en route. C'est derrière ça. Je suis en chemin. Sur eux. Un autre de moins. Colonne, à terre. Nom de Dieu. C'était le dernier. Les crânes d'œufs de la base m'ont fait un topo sur les missiles nucléaires. Ils disent que le lancement se fait en trois étapes. Plein de carburant, libération des bras de maintien et désignation de la cible. Tout est géré par ordinateur. Si l'une des étapes manque, le lancement est annulé. Carburant, bras de maintien, cible. Pigé. On sait où sont les ordinateurs? Les terminaux devraient être dans les granges. Ce sont apparemment les seuls bâtiments assez grands pour ce type d'infrastructure. Bien reçu. Voilà ce qu'on fait de nos impôts. Quoi? Oh non. Oh non, le plein est déjà fait. Barnes, j'ai des coordonnées de lancement ici. 38 degrés, 53 minutes nord et 77 degrés, 2 minutes ouest. Oh mon Dieu, c'est Washington DC. Alors on ferait bien de trouver rapidement cet ordinateur. Ce truc est prêt à partir. Je sais que c'est contraire à la procédure, mais on a une chance de sauver des vies. Il faut avertir les populations. Pour leur dire quoi? Qu'ils vont se faire vitrifier par des martiens? Personne ne nous croirait, c'est ça. Ouais, donc il faut régler ça ici et maintenant. Mmh.
Là. Je me déplace. Des hostiles, ici. Un abri, là-bas. C'est bon, j'y vais. J'y prêt. Mon Dieu, des boucliers. Bouclier détruit. Attaquez. Ennemi en approche. Quelqu'un pourrait me soigner. Ils avancent. Qu'est-ce qu'on fait? À terre. Reçu, je me mets en route. Mouvement. Je suis en position. Il me faut un infirmier, commandant. Allez, courage. Concentrez-vous sur cette cible. Je tire sur votre cible. Attaquez. Compris. D'un appui ici. Qu'est-ce qu'il faut faire?
contrôle de tir devrait être dans cette grange. Par ici, allons-y. Quelque chose cloche, Barnes. Les clés n'ont pas été tournées en même temps. Le missile devrait déjà être verrouillé. Les Xénons ont dû réussir à chanter les commandes. Alors ce missile va partir, que ça nous plaise ou non. Il faut qu'on aille au terminal de désignation. Ici ! Leur ligne tient bon ! À couvert ! Prêt ! À couvert, un sniper ! Cloué sur place ! Ils avancent ! Qu'est-ce qu'on fait ? On a percé ses boucliers. Allons-y. Quelqu'un pourrait me soigner. Maintenez la pression sur eux. Un autre de moi. Planquez-vous derrière ça! Déplacement! En avant! C'est bon, j'y vais! En position! Continuez, il est presque à chaise! Ils sont tous morts! Allez, on bouge! Là-bas. C'est bon, j'y vais. En déplacement. Sur place. Ils ont du blindage. Allez, courage. Passez derrière ça. Reçu. Je me mets en route. Attaquez. En visée.
en place. J'ai besoin d'un appui ici. Cet endroit pue, chef. C'est votre cible. C'est pour moi. Détruisez-le. J'attaque votre cible. Oh. Détruit. Attaquez. J'ai bien avancé. Détruyez. L'agent de soutien déstabilise les cibles lourdes. Cela endommage gravement leur blindage et les rend temporairement vulnérables au tir. Nos petits génies disent que le système de désignation est si simple qu'un enfant pourrait modifier la cible. Ou un extraterrestre. Oh, la ferme. Barnes, donnez-moi des coordonnées où balancer ce truc sans danger. Compris. Essayez 11 degrés, 35 minutes nord et 165 degrés, 23 minutes est. Je
Je confirme, 11 degrés, 35 minutes nord, 165 degrés, 23 minutes est. Qu'est-ce que je viens de vaporiser, Barnes ? L'atoll de Bikini. Un site d'essai nucléaire. Bien joué, Barnes. On peut rentrer.